brothers and sisters, please stay with us. We are going to share brief reflections, this time first in Creole, then second in French, and third in English. It's on the readings of today, the 26th Sunday in Ordinary Time, today who is September the 30th, 2018. Nous allons offrir les réflexions d'abord en créole, ensuite en français, et d'abord en français, ensuite en créole, et troisièmement en anglais. Nous allons offrir les réflexions sur lecture biblique, Jodia qui c'est 26e dimanche en temps ordinaire, Jodia qui c'est 30 septembre. La profil d'abord en français, tout de suite après en créole, la fini la profil en anglais. Chers frères et sœurs bien-aimés, voici maintenant quelques réflexions très brèves sur la lecture biblique du 26e dimanche, aujourd'hui le 30 septembre 2018. Accueillons deux leçons à partir des textes bibliques d'aujourd'hui. D'abord, Jésus nous demande d'ouvrir nos cœurs, de ne pas rester prisonniers de nos préjugés, de nos esprits fermés, cantonnés dans nos cercles étroits, nos clubs, nos partis politiques, nos églises. Le Seigneur aime tout le monde et se sert parfois de personnes très différentes de nous pour accomplir de bonnes œuvres. Ouvrons nos cœurs, il désire verser son esprit sur toute chair. Un verre d'eau donné avec amour ne restera pas sans récompense, nous dit-il. Qu'on ne se dépêche pas de traiter comme ennemi l'étranger que l'on rencontre. Jésus, qui nous invite à être accueillants, se révèle soudainement extrêmement sévère vis-à-vis de ceux qui corrompent les enfants. On devrait leur mettre une pierre au cou et les jeter à la mer, dit-il. Il continue son discours avec la même véhémence. « Si ton œil est pour toi cause de péché, arrache-le. Si ton pied ou ton bras t'entraîne à faire le mal, coupe-les. Il vaut mieux entrer au ciel borgne, manchot ou estropié, plutôt que d'être jeté en enfer avec le corps tout entier. » Ces jours-ci, on nous rapporte parfois des abus commis par une très faible minorité de prêtres sur des enfants. Eh bien, rappelons-nous ces mots terribles du Christ, que les crimes contre les enfants sont des crimes impardonnables. Pas de badinage, soyons sérieux, il y a des choix dans la vie que l'on doit être capable de faire. Nous sommes doués d'intelligence et de raison. La grâce nous est offerte pour vaincre notre faiblesse radicale. Jésus nous appelle à la vérité et la lumière. Pourquoi persister sur les chemins du mal? Notre destinée éternelle dépend de notre choix. Le bien est récompensé, mais le mal est puni. Choisis Jésus et vis à jamais. Ne perds pas ton âme, ne sois pas condamné pour la vie éternelle à cause de quelques plaisirs futiles qui ne durent qu'un instant. Ne commets pas cette erreur, suis le Seigneur et trouve la vie. Amen. Frère Axel Boyau, je dis encore qui c'est 26e dimanche, la journée qui c'est 30 septembre, en écoutant ça Jésus abdine. En premier, Jésus dit que c'est pour nous sortir l'anti-cercle, notre groupe panne, pour nous avoir esprit ouvert, parce que depuis un monde fait ça qui est bien, pour nous respecter, même si un monde baille, on veut de l'eau, ben un monde qui soif, la joigne récompensée. En même temps, Jésus qui a demandé de vous accueillir, divine très raide et très sévère en face moun qui a abusé Timoun sexuellement. Jésus dit plutôt mettez en roche l'un couillon, jetez ou l'un en main. Et Jésus dit si Géo c'est la cause du péché, rachez-le, voyez-le jeter. Si c'est bras ou bien jambes, plutôt coupez-le,
Parce que plutôt rentrer dans le ciel estropié, passer pour aller dans l'enfer avec corps tout entier. Parole ça a dû raide en pile. Faut ouvrir les yeux, nous. Hein? Pas accepter péché. Et puis, Jésus donne la grâce qui fait que même si nous sommes faibles, le labrien nous une grâce, mon Dieu, n'a pas une victoire sur toute tentation, péché. Donc, Jésus fait une comparaison avec nèg de bien, avec nèg pécheur, ou même tout c'est pour choisir, qui soit vlé, yé, ou vlé, prendre du gandage, jouer de plaisir, de tromper moun, de abuser moun sexuellement, ou bien pouvez joindre la joie éternelle. Eh bien, décision après jeudi, c'est yo qui va déterminer la vie éternelle. Choisis Jésus et puis fin participant héritier de victoire li à jamais, au lieu pour choisir route des autres péchés qu'apprenez on en fait pour tout le temps. Une bonne décision. Suivre Jésus, joindre la vie. Brothers and sisters, two lessons come forth from today's reading on the 23rd Sunday in Ordinary Time on September the 30th. First, we must be open-minded, knowing that the Lord works with whomever he wishes. Do not look down on people who do not belong to your circle, your club, your party, your church, your ethnic group. Good deeds sometimes are performed from unexpected sources. A glass of water generously given by a total stranger will be rewarded by God. Open the doors, the gates of your heart and of your mind. Be open-minded. While Jesus is always gentle and loving, he becomes very harsh today toward those who abuse of children, those who corrupt and deprive innocent souls. We've heard lately how a small minority of priests have committed, you know, hateful or disgusting abuse of children. Those guilty of such odious crimes, says Jesus, should be thrown in the sea with a stone around their necks. He went on saying, if the eye or the leg of any part of the body causes one to sin, he or she should cut it off, for it is preferable to be crippled and go to heaven than to be thrown in hell with a complete body. Good deeds are rewarded, but heinous crimes are severely punished. We are gifted with a conscience and are therefore responsible for our acts. The Lord of our love made us in his image and likeness. After mankind's sin, Jesus pleads to us to repent and choose the path of life. Our eternal destiny will depend on the choice we make today. Don't choose evil. Don't choose wild pleasure. Irresponsible conduct. Choose Jesus. Choose service, humility, and love, and be saved. Our eternal destiny will depend on the choice we make today. Choose Jesus and be saved. May God bless you. Amen. Je te donnerai la main, il prendra soin de toi. Avance, avance, avance. Le bébéon. Un homme au vent. Avance, avance, avance. Un homme au vent. Et n'aie pas peur. Je te donnerai la main, il prendra soin de toi. Avance, avance, avance. Un homme au vent. Avance, avance, avance. Et n'aie pas peur. Je te donnerai la main, il prendra soin de toi. Viens à Jésus, toi qui te sens fatigué, chargé et accablé, il te donnera le repos. Tourne-toi vers lui et tu seras pacifié.
souffle la berce des Satans. Jésus est là, ta vie est troublée, tu ne sais quoi faire. Il est là, un moment de peur, de difficulté, sois tranquille. Jésus est là, avance, 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 avance. Je te donnerai la main.